sujet. Pour commencer, très simple, on est en plein mois de mars, on meurt de chaud. Je voudrais qu'on fasse quelque chose autour de la tomate, tu vois. Donc on prend ton assiette, c'est ton assiette carrée là. Petite saison, tu vois, sur les produits, sur les tomates là. Enfin moi, je verrais pas ça comme ça. Ouais, je verrais pas plutôt qu'on travaille plutôt des produits. Mais on est en plein mois de mars, j'ai envie de quelque chose de rafraîchissant, quoi. Mais je pense qu'on peut avoir des trucs rafraîchissants, tu vois, même avec des produits de saison, tu vois, là on arrive sur le printemps, on a des légumes nouveaux, tu vois, on a plein de trucs comme ça, tu vois, je pense aux petits pois et ces choses-là. Ouais. On a des premières fleurs qui arrivent, on a des super beaux produits. Tu penses qu'avec nous en tant que cuisiniers, on a une responsabilité là-dedans? Je pense un minimum, tu vois, c'est à nous de proposer, tu vois, en plus on est chef sur notre TP. Il faut qu'on propose avec les produits qu'on a, on est en Île-de-France, on a un panel de produits sous la main. Ouais. Et on va pas faire venir justement des tomates qui vont venir je sais pas où, d'Espagne ou du Chili. Tu veux pas qu'on réfléchisse, qu'on laisse mûrir le projet, qu'on aille poser des questions éventuellement peut-être à des chefs, à des gens professionnels pour nous aider un peu. Même aller voir un marché, tu vois, histoire de dire qu'est-ce qu'il y a sur les étals en ce moment. Ouais, mais un marché, mais dans les marchés, t'as plein de sauces qui sont hors saison. Oui, bah après, c'est à nous de faire de trier, voir. Attends, à côté du lycée, il y a un marché bio. Logiquement, on devrait avoir que des choses de saison. Est-ce que pour toi, il y a encore des saisons? Tu vois, là par exemple, on est en plein mois de mars et on nous parle déjà de printemps. Bah, je pense, oui. On va arriver là sur le printemps. Il est clair qu'on n'aura pas les produits de printemps, les fraises, les asperges, etc. On ne va pas les avoir le premier jour du printemps. Mais bon, ça arrive tout doucement. Il faut y aller modérément dans les cartes que l'on peut travailler dans les restaurants, etc. Amener tout doucement les suggestions au fur et à mesure que les produits arrivent. Mais je pense que le respect des saisons est très important, très important. Pour moi, il est hors de question de manger des asperges en hiver, comme on peut en voir parfois sur certains marchés ou sur certains étals, ou des fraises qui viennent de je ne sais trop où. Ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Pour revenir justement à la responsabilité des restaurateurs, est-ce qu'au niveau de la démarche de réalisation, de progression, dans la mise en œuvre des produits, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi à revoir? Je pense à la gestion des approvisionnements, à la gestion des déchets. Il y a déjà une première démarche qui a été faite, ce n'est pas les restaurateurs qui l'ont faite, ce sont principalement les fabricants de matériel culinaire et autres qui, eux, ont déjà une véritable approche là-dessus, avec du matériel qui consomme de moins en moins d'énergie, parce que si on consomme moins d'électricité ou moins de gaz pour cuisiner ou pour cuire un produit, on est déjà dans une démarche écologique. Après, le restaurateur, lui, il a, d'un point de vue écologique, à faire attention à son tri sélectif, etc., etc., au niveau de ses déchets. On pourrait aller même plus loin. Tout restaurateur qui crée des pluches par l'épluchage de ses légumes frais devrait avoir la possibilité de pouvoir redonner ces déchets dans des zones de compostage ou dans des ramassages de compost, par exemple, qui ne sont pas encore mis en place au niveau du ramassage. On fait le tri sélectif sur le verre, sur le carton, sur le papier, etc. Mais pourquoi pas là-dessus? Bon, bah écoute, c'était intéressant, je trouve. Ouais, très très sympa ce chef. Ouais, il y a pas mal une belle vision sur ces produits. Ouais, donc on va partir sur des légumes de saison, ça me paraît évident. C'est Et sûr. Sur la viande, on fait quoi? Un petit bœuf de Kobe C'était fou, toi. Pourquoi? Bon, je pense... Tu vas rester vraiment sur la localité des produits et voilà. Moi, si tu veux, j'ai un professeur qui travaille sur tout ce qui est géopolitique des aliments. Oui. On pourrait essayer de le rencontrer pour avoir son avis justement sur la localité des produits. Que la mondialisation a pu avoir des impacts sur les aliments que l'on consomme aujourd'hui. Donc je parle en termes de transport, mais aussi en termes peut-être de qualité des produits. Oui, alors la mondialisation de l'alimentation, elle a commencé il y a très longtemps. Elle a commencé il y a plusieurs siècles, lorsqu'on a commencé à importer du cacao, du sucre, donc des produits qu'on ne connaissait pas en Europe, il y a maintenant 4 ou 5 siècles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle mondialisation dans laquelle nous vivons, elle a pris une échelle colossale.
Et effectivement, comme vous le soulignez, nous ne consommons plus les mêmes aliments. Nous consommons des aliments qui ont souvent fait des kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Et aujourd'hui, on vit dans une sorte de mondialisation alimentaire qui fait que on n'a pas de traçabilité des produits. Bon, on a vu des exemples célèbres récemment à propos de l'origine de la viande. On a des difficultés également à se repérer aujourd'hui dans l'offre alimentaire. Donc je pense qu'on revient aujourd'hui à une géographie des terroirs, une alimentation aujourd'hui avec des circuits courts. On a un besoin dans le grand public aujourd'hui de changer de mode d'alimentation. Quels sont pour vous les risques de cette mondialisation en termes de réchauffement climatique et donc d'impact sur la planète? Alors, le réchauffement climatique, c'est la grande question. Hein, tout le monde en parle aujourd'hui, ça fait partie du développement durable, mais c'est une grande question parce que jamais à l'échelle de l'humanité, on a connu une accélération, aujourd'hui un changement climatique aussi important, aussi rapide. Tous les experts aujourd'hui s'accordent pour dire que le changement, il est réel. Il y a eu un débat au départ pour dire que le réchauffement climatique n'était peut-être pas d'origine anthropique, que l'homme n'était pas le seul responsable, qu'il pouvait y avoir des cycles naturels, des taches solaires, enfin des différentes... D'autres mécanismes. Aujourd'hui, on sait que l'origine est essentiellement anthropique. On sait que dans 50 ans, la Camargue va peut-être disparaître sous l'eau, que notre agriculture bretonne va peut-être disparaître avec le Gulf Stream qui n'arrive plus à réchauffer la mer et donc le changement climatique. Donc aujourd'hui, vous avez raison de souligner, on est vraiment dans une grande interrogation autour de notre alimentation. Dans 50 ans, va-t-on manger les mêmes choses ? Alors on parle par exemple du champagne qui va disparaître de France. Alors c'est quand même quelque chose de terrible si on n'a plus de champagne en France. Hein. Il faudra peut-être cultiver le champagne en Allemagne. Le vignoble champenois est peut-être menacé puisqu'il a besoin de certaines conditions climatiques, le vignoble champenois. L'agriculture bretonne elle-même est menacée aussi. L'agriculture méditerranéenne, peut-être qu'elle se développera. Peut-être que nous mangerons tous une cuisine à base d'huile d'olive. Hein. Peut-être que si la remontée du climat méditerranéen... dans le nord de la France, peut-être aura des effets bénéfiques. On cultivera peut-être la vigne et l'olivier jusque dans le nord de la France. Hein. C'est difficile de dire hein, les projections, mais il est certain que ça va changer notre alimentation. Alors, pour répondre à nos interrogations sur les énergies à utiliser en cuisine, je vais t'emmener au Prix Art Science. Ça se passe au laboratoire. Et le thème cette année, c'est les énergies du futur. Merci. Donc nous sommes le groupe Inergé. Alors nous, on a voulu travailler sur l'optimisation de l'énergie, c'est-à-dire pas essayer de trouver des nouvelles sources, mais mieux utiliser ce qu'on a déjà. Donc pour cela, on a inventé le bracelet Inergé, qui est en fait un bracelet qui permet un mapping de vos consommations énergétiques en temps réel. Donc en gros, par exemple, vous êtes dans le salon et le système se rend compte qu'il reçoit plein d'inputs de la cuisine, c'est-à-dire que il y a de la lumière allumée, il y a des choses qui tournent. Donc là, il vous envoie une alerte en vous disant « attention ». Et donc là, ce que vous faites, vous prenez l'énergie et vous la mettez là où vous êtes, donc dans le salon. Et ceci par le geste. Dans la cuisine, le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de contact direct. Alors c'est hyper intéressant dans une cuisine puisque vous avez des choses très chaudes, très froides. Donc il y a tout un champ d'accidents que vous pouvez finalement éviter en faisant que certains appareils s'allument et s'éteignent à distance. Notre tataki de lapin du Gâtinais. Laqué au miel. Après, ce que je te propose, c'est qu'on mette l'hypersil. Ouais. C'est beau. Qui est volumineux en premier. On va partir chez les oignons peut-être juste après. Qu'est-ce que t'en penses? Mmh.